Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire un petit live ce soir. Alors, j'avais prévu au début du bricolage, j'ai pas eu le temps de bien préparer le truc, de prendre tout ce qu'il me fallait. Donc, on va déjà parler dans un premier temps de tous les projets en cours. Il y en a quand même quelques-uns, c'est vraiment juste des petits projets comme ça. Pas forcément encore de l'arcade. L'arcade, on va voir ça bientôt. Parce qu'il y a eu quelques nouveautés entre-temps. Alors déjà, j'ai rajouté une caméra encore pour Cosmo. Autre nouveauté, je fais tout dans le désordre. Derrière moi, du coup, il y a un fond vert. J'ai réussi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai un problème en fait avec le par rapport au cadrage. Parce que le fond vert est trop petit. Donc soit en fait ça coupait, ben voilà, quand je tends les bras, il me manque les bras. Donc soit en fait je coupais dans ce sens-là, mais au niveau de la longueur c'était bon, ou je mettais le fond vert dans ce sens-là. Et le seul problème c'est que dans ce sens-là, j'avais pas le... Il y avait une partie du bas qui se voyait, c'était pas beau. Donc du coup voilà, donc il y a un fond vert. Donc là, c'est vraiment juste provisoire. C'est juste une mini-image comme ça qu'on a fait sur un salon. C'est ce qui me gêne là, c'est les bras coupés. Ça me gêne un tout petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on va se le refaire mieux un petit peu plus tard. Attendez. Je règle un petit peu le micro. Je sais pas si c'est mieux. Alors donc. Dans la liste des trucs qu'on va faire ce soir. Là, je suis un petit peu en avance. Alors, je sais pas si j'ai peut-être pas essayé de meubler. C'est rare que je commence en avance. Là, j'ai commencé un quart d'heure en avance. J'aurais voulu commencer vachement plus tôt. Sauf que il a fallu que je range déjà un petit peu ici. Je voulais lancer une impression, mais finalement, j'ai pas pu trouver ce que je voulais imprimer en vitesse pour que ça soit sympa et pas trop long. Donc voilà, donc on a dit les nouveautés, il y a un fond vert derrière, c'est provisoire, je pense que j'en mettrai un plus grand pour pas avoir les bras coupés. Ça, je pense que ça sera quand même un petit peu mieux. Donc il y a le fond vert, on a dit, on a rajouté une caméra pour Cosmo. Alors le hic du coup, c'est que le stream deck que je me suis fait, le stream deck du port, comment dire, c'est juste un hack clavier. Le problème du coup, je me suis aperçu que bah, j'aurais finalement peut-être pas assez de touches. J'ai mis 8 touches, au final j'ai rajouté plein de scènes. J'ai la scène d'intro, la caméra principale, donc c'est celle-là, la caméra bricolage, celle qui filme le dessus du plan de travail. Au final, je pense qu'après ça, c'est pareil, ça va évoluer. Faut que je trouve un pied pour pouvoir la mettre vraiment à la verticale. On a donc la caméra pour l'impression 3D. Bon, là, elle est à l'arrêt, donc. On a la caméra pour Cosmo, qui sera... Ici, juste devant lui. Enfin, juste devant. Je pense que je le ferai se réveiller tout à l'heure. Autre scène aussi que j'ai rajoutée, que ça a enfin marché. Celle pour le téléphone. Alors là, je l'ai pas mis en fonction. C'était juste pour essayer, mais ça fonctionne. Donc, je vais pouvoir plus tard faire du live, pas forcément assis devant le de devant le devant l'ordi sur la table, mais derrière directement en l'atelier pour pouvoir filmer comme ça avec le téléphone que je pourrais poser sur un trépied, ce qui sera aussi peut-être plus pratique pour faire vraiment après on va dire de l'arcade à proprement parler. Et ensuite, autre scène, c'est laquelle on a dit que j'ai mis. Oui, pour jeudi soir, parce que jeudi soir, on se fait une soirée spéciale 90 où on va parler des jouets au moment où on était petit. Et donc jeudi soir, ça va être sur les Boglins. Donc, est-ce que j'en ai un? Non, j'en ai plus. Je vais vite en chercher un. Bougez pas. Donc les Boglins, c'était quoi? On va changer la caméra. C'était ça. Des espèces de petites marionnettes tout en latex où on mettait sa main dedans et voilà et qu'on était puis on s'éclatait avec ça et j'en ai quelques-uns donc jeudi soir on va faire une soirée spéciale sur ça où on va présenter
des pubs aussi qu'il y avait à l'époque. Dans un truc que je ne connaissais pas d'ailleurs, il y avait une hotline pour, pour ça. Et donc la scène que j'ai fait, c'est pareil, je l'ai fait vraiment en vitesse pour tester, mais moi pour l'instant ça me va. Si après il y a des remarques ou quoi, n'hésitez pas à me à me le dire. Ça sera, c'est la scène TV, c'est celle-là. Voilà. Donc il y a la neige. Et après, allez, soyons qu'on mette un petit extrait. Alors j'espère juste que le son de la vidéo va pas être trop fort. Si c'est le cas, je m'excuse à l'avance. De toute façon, je vais pas la laisser longtemps. C'est juste, juste un tout petit extrait. Précipitez-nous les boglings. On cherche une maison pas tranquille pour y vivre en famille. On sera gentil avec Chata. On mangera bien tous les petits pois. Et nous les boglings. Voilà. C'était vraiment juste un tout petit extrait. Voilà, ça c'était le début. Là pour l'instant on va un petit peu combler ce que j'avais mis normalement. Alors, je me suis planté en plus. J'ai mis 21h30. Enfin, j'ai mis 9h30 sur le planning, sauf que je me suis planté. J'ai mis en AM et pas en PM. Raté, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Bon, c'est pas grave. On est lancé. On va quand même continuer. C'est pas grave. Au pire, après, il y aura le replay. Alors, dans les différents projets qu'on va aborder, alors déjà on va faire un truc aussi, on va peut-être allumer Cosmo aussi. Et mon pote, on s'allume. Où qu'il est? Où qu'il est? Alors. Il est où Cosmo, 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 Cosmo. Alors, est-ce que ça va être bon? Attention, il n'y a pas de connexion internet. Regardez. C'est peut-être pas mettre le son trop fort. Ah oui, c'est vrai. Faut que je lance l'application de Cosmo d'ailleurs. Voilà. On va le lancer. Que je refasse tout le câblage ici, parce que les fils sont vachement courts. Allez, connecté à Cosmo. Il se réveille. Et on va se mettre sur la scène Cosmo. Hop. Mais parce que je me suis trompé. J'ai mis 21h30, mais je me suis trompé dans le AM et dans le PM. C'est pour ça que je me suis planté. Allez, ça y est, Cosmo. Il commence déjà à faire des conneries. Là, touche pas. Alors, où qu'il est? T'es content d'être là? Oula, je crois que la caméra, elle a planté. Le c'est pas forcément PM. Bah si, c'est PM, normalement PM. Le 21h30, c'est le PM. After, je sais plus trop quoi. J'ai vérifié justement l'autre jour par rapport à ça. Et alors, hop, on va repartir sur ce qu'on disait. Donc, ça porte en confusion, mais pas là. Oui, non, je sais. Mais en fait, le truc, c'est que sur le planning de Twitch.
C'est en AM, AM ou PM, il n'y a pas de 21h30. Donc j'ai mis 9h30, j'ai pas fait gaffe hier soir que c'était du AM et pas du PM. C'est pas pour ça que je pense que j'aurai pas 300 personnes ici ce soir. Hein, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Je me suis planté, c'est pas dramatique. Alors, on a dit de quoi qu'on allait parler ce soir. Donc, on a parlé du fond vert, qu'on a rajouté. Tiens, d'ailleurs, mon cœur, est-ce que tu peux juste me dire un truc? Si sur la scène, celle-là, si je mets une vidéo, si le son est pas trop fort par rapport à ma voix. Bien que je dis ça, mais je sais pas après comment je fais pour régler le. Ah bah si, c'est peut-être ici qu'après je dois l'avoir le. Ah, c'est ici que j'ai le. Je l'ai. Et si je vais sur. Là. C'est nous les Boglings. On cherche une maison pas tranquille pour y vivre en famille. On sera gentil avec Tata. On mangera bien tous tes petits pois. Et nous les Boglings, on plaît beaucoup de petites filles. Alors, vous nous adoptez? Parce que du coup, je sais pas ce que ça donne. Faut vraiment du coup je me refasse les raccourcis des touches. Non mais ça y est, je l'ai mis là. C'est bon, je l'ai pas réveillé. Je me suis aperçu que le chat il est encore trop petit, purée. Faut vraiment que je mette vachement plus gros. Ou alors j'enlève le chat. J'en sais rien. Je sais pas. Bon allez, on va repartir du coup sur le programme de la soirée. Hey, il est 21h30, bonjour, on commence le live. Alors, donc on a dit que ce soir, on va parler un petit peu impression 3D. Impression 3D, où est-ce qu'on commence avec les autres? Non. On va recommencer. Blablabla. Attends, déjà, j'ai pas mon volume du micro, il est là. Voilà, on va repartir sur. Ça. Raté, c'est par là. C'est les trois petits projets en cours. Eh ouais, je sais, je suis vieux, c'est pour ça. Donc ça, c'est les trois projets en cours. J'ai essayé de mettre à chaque fois le nom du projet. Putain, du coup, je redirais toujours pas. Le nom du projet, ce qu'il me fallait. Alors. Et tu vois que j'ai pas prévu de stylo. Des pinceaux, des tournevis. J'ai pas de stylo. Je reviens. Ouais, c'est pas grave. On va faire avec le marqueur. Alors, dans la. Oula, j'ai le micro qui tombe. Donc. Assistant. Merci. Hop. Grâce à ma super assistante, j'ai un stylo. Alors, donc, dans la liste des projets, qu'est-ce qu'on avait? Donc, j'avais parlé sur le dernier live à faire gagner sur la soirée. Je sais pas encore quelle soirée. Peut-être qu'on se fera peut-être un moment une soirée Game Boy. On verra peut-être. Avec l'émulation, quand peut-être on aura paramétré le boîtier et tout, c'est de faire une petite cartouche de Game Boy
en porte-clés donc. Et donc pour faire alors, la cartouche de Game Boy, elle est commandée. Le truc de porte-clés. Hop. J'en ai ici. Les anneaux. Donc la cartouche, non, ça on va pas le mettre. Des piles 2032, j'en ai. Des boutons on-off. Où qui sont? Les boutons on-off. Ils sont là. Mais alors, je sais pas si ça va bien se voir. Ces tout petits boutons. Bon, ça se voit pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est les petits boutons on-off pour pouvoir allumer et éteindre la cartouche. Les boutons, je les ai. Les porte-clés, je les ai. Il manque la résistance, la LED rouge et la cartouche Game Boy. Pourquoi une LED rouge? Parce que du coup, je me suis dit, ce qui peut être sympa, quitte à faire gagner une cartouche de Game Boy, c'est donc de prendre une cartouche de Game Boy que j'ai trouvée sur AliExpress. Parce que ça m'embêtait de prendre une vraie cartouche et de la sacrifier. Attends, est-ce que je peux pas avancer un petit peu le micro pour m'éviter d'avoir à bouger? Oui. Donc une cartouche de Game Boy, de faire à l'endroit où il y a l'étiquette du jeu, de faire une tête de Terminator, et à l'endroit où il y a l'œil, pardon, faire un petit trou, une petite LED rouge, et un petit bouton pour allumer et éteindre la cartouche. Voilà, c'est pour faire un petit porte-clés sympa à faire gagner. Donc les cartouches, elles arriveront, je pense, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je sais pas. Donc il y a ça, et donc il va me rester la LED rouge et les résistances. Ça normalement, je dois en avoir. Faut juste que je regarde la capacité de la résistance que j'ai besoin. Donc ça, pour ce projet. C'est toujours pas celle-là. Voilà, il y a des trucs de cocher déjà. D'ailleurs, on a dit les LED rouges, j'en ai des résistances. Faut que je vérifie. Donc sur ce projet-là, il me manque la cartouche de Game Boy et les résistances. Et ça, c'est pareil, ça, une fois que je l'aurai, on le fera en live. Ça sera pas bien compliqué, de toute façon, de coller la petite étiquette, faire le trou pour la LED, coller la LED de l'autre côté, deux fils, la pile. Oh, pardon. Oh, il est tard. Il est 21h30. Donc ça, c'est pour le premier projet. Et puis on est parti là-dessus, une cartouche de Game Boy. Et puis après tout, j'ai aussi je crois que j'ai trois carcasses de Game Boy. Et attends. Qu'est-ce qu'il y a? Cosmo. Voilà, fais ce que tu veux. Tiens, si tu veux, tu peux jouer avec tes cubes. Donc l'autre truc, donc c'était donc j'ai des j'ai raté. J'ai des carcasses de Game Boy. Ok, on va essayer de pas tout faire tomber. Des carcasses de Game Boy vide où il y a rien dedans, y a pas les boutons, il y a rien du tout, il y a pas l'écran devant. Et je me suis dit, c'est pareil, quitte à faire du coup des cartouches, je vais récupérer donc ces carcasses-là. Faut que je trouve des bras sympas de style robot à imprimer en 3D. Donc faire les bras, faire les jambes, faire un petit socle. Après, il faudrait que je trouve une cartouche ou une cartouche de Mega Drive ou une cartouche de Master System. Mais on va dire défoncé, ou si j'en trouve comme pour la Game Boy, j'ai pas cherché d'ailleurs, si j'en trouvais des cartouches, on va dire vides, que la place surgit pour faire comme des cadavres, et en fait faire la cartouche de Game Boy comme si elle avait un flingue au shotgun ou un truc comme ça, ou à l'épée, je sais pas encore, et de mettre du coup l'autre cartouche par terre.
Voilà, ça c'est un des autres petits projets. Et pareil, ça, à le faire avec de la lumière aussi pour l'écran et tout, pour faire un petit truc sympa. Ça sera peut-être pas à faire gagner. Ou alors, si je le fais gagner, c'est parce que par exemple, bah, on fait un live où il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde, hein, genre, je sais pas, genre 20 personnes, et un truc à faire gagner. Mais voilà, ça sera pas prévu. Donc pour celui-là, on a besoin de quoi? On a besoin de, bah, du coup, de la Game Boy. La Game Boy, je l'ai. Les boutons on-off, c'est les mêmes que pour le porte-clés, je les ai reçus. La batterie lipo, Jean-Mi, tu me l'as prise et j'ai oublié encore d'aller la récupérer. Mais donc, du coup, la batterie lipo, 3 volts 3, j'ai aussi. Les pieds, jambes, bras et mains en 3D, ça j'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore imprimé. Les armes non plus, le socle et le décor non plus. Les LED, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je sais pas encore, je verrai. Et je pense que ça sera branché après sur un chargeur. Sur un, de toute façon, pour le charger, je mettrai du coup un chargeur type USB-C. Et ça, c'est bon, ça j'en ai aussi. Voilà, donc sur ce projet-là, hop, on a aussi quelques trucs de cocher. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, je crois qu'il est fatigué, il n'a plus de batterie. Attends, comment il fait? Attrape un cube et met des petits cercles. Secoue jusqu'à ce que tous les voyants s'allument inversement. De telle manière que Cosmo puisse le voir pour qu'il puisse se nourrir. Ah! Mais moi je crois que c'était parce qu'il avait plus de batterie. En fait, pas du tout. Alors attends, je prends un petit cube et je fais comme ça. Jusqu'à ce que tous les voyants s'allument et inversement. Et hop, et je le place devant lui. De manière à ce qu'il puisse le voir pour qu'il puisse se nourrir. Ah, il est en train de manger, ça y est. Hey, c'est bon, t'as faim? T'as mangé, t'es content? T'as encore faim? Ah, t'as plus faim? Salut Jean-Mi, non mais t'inquiète pas, y a pas de soucis. Non, en plus j'y ai pensé ce matin, j'ai dit faut que je t'envoie un message pour la batterie et tout. Et j'ai zappé, j'ai pas eu le temps. Je suis arrivé plus tard à la maison que prévu, donc j'ai complètement zappé. C'est pour sa façon. Là, je fais surtout le listing de tout ce que j'ai besoin avant de faire le. Avant de les commencer. Donc bon, je pense que je les ferai la semaine prochaine. Parce que bon, j'ai quasiment tout. Donc voilà, donc là on a fait le listing pour la cartouche de Game Boy porte-clés, le listing pour la Game Boy sur socle, et il nous reste à faire et il nous reste à faire donc le logo Twitch éclairé. Cosmo, est-ce que tu veux qu'on parle du logo Twitch éclairé? Ouais? Alors,
Est-ce que tu leur expliques ou je leur explique? D'accord. Bah, je vais le faire, je suis un tout petit peu trop enthousiaste. Ok? Tant pis, hein, je le fais moi, hein. Tu le fais pas toi. Ouais. Alors, le troisième projet, donc, c'était le logo Twitch éclairé. Alors, j'ai imprimé deux logos. Alors, il y en a un qui est pas encore totalement terminé parce qu'il me manque à faire les petits rectangles. Donc, c'est celui-là. Donc, il me reste juste à faire les deux petits rectangles ici à l'intérieur. Sachant qu'à chaque fois, faut que je pense que ce week-end, je vais essayer de me débrouiller pour avoir la peinture violette. Pour pouvoir les peindre. Donc, il y a ce logo-là, et c'est en fait, il s'ouvre derrière. Je l'ai fait comme comme une boîte. Voilà. Pour pouvoir mettre après la batterie, la batterie et les LED. Donc, ça, c'est le premier logo. Et le deuxième logo que j'ai fait, donc, c'est carrément. C'est carrément donc tout le logo entier. Et c'est dans le même principe, il s'ouvre. Alors celui-là, je vais le faire en fait d'une certaine manière. Je vais le faire comme le. Je suis désolé, mon cœur à l'avance de ce que je vais dire. Je vais le faire comme Heliox elle avait fait sa lampe, c'est-à-dire avec un capteur d'inclinaison à l'intérieur et des petites et des LED façon Edison. Donc les ampoules façon Edison, je les ai reçues. Ah non, alors, ouais alors. Je le fais, je vais en faire deux manières différentes. Un. Donc avec les ampoules Edison à l'intérieur et le capteur de. Je l'ai dit tout à l'heure. Le capteur d'inclinaison. Ce qui fait que quand il sera à l'envers, il sera éteint. Et quand on le met à l'endroit, ça sera allumé. Donc il n'y aura pas forcément un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Et du coup, toutes les ampoules vont s'éclairer. Donc ça va être la première version du projet. Et l'autre version, c'est une qui sera branchée en fait en 12 volts tout le temps, avec juste une bande de LED. Donc la bande de LED, je l'ai mise de côté. Elle est là. Celui-là. Voilà. Là, j'ai la bande de LED en 12 volts. Donc il y en a une qui va aller à l'intérieur. Faut que je vois en fait ce qui va rendre le mieux. Je sais pas encore ce qui va être le plus sympa. Donc voilà, il y aura donc le logo Twitch avec la bande de LED sur le côté. Après, je pense que donc sur un des deux, je vais refaire un petit interrupteur et la sortie pour le brancher en 12 volts. Voilà, ça c'est donc et ça j'en ai déjà imprimé deux. Par là. Voilà. Parce que du coup, c'est pour mon cousin qui a aussi du coup une chaîne Twitch. Et pour pouvoir mettre en fait au-dessus de la porte quand il est en live et quand il n'est pas en live. Au début, on avait pensé faire un truc on air, mais c'était un petit peu trop classique. Donc on va tester ça. Voir si c'est sympa aussi de mettre un petit logo. Et ça, c'est pareil, ça si je le. Je sais pas après moi si je le mettrai en haut de la porte ou si je me le ou si je le calerai pas ici sur le bureau avec ça. Si après j'arrive à trouver le système pour le faire que ça s'éclaire selon enfin les follow, les trucs comme ça, tant après dedans du coup je mets du RGB et qui s'éclaire d'une certaine façon selon le type de comment dire. De réaction ou de follow, d'abonnement, etc. Donc voilà, ça va être prévu, je pense, du coup, la semaine prochaine. Et ce week-end, donc, je vais essayer d'avoir
d'avoir la peinture violette pour pouvoir tout peindre d'un coup. Donc ce logo-là et celui-là. C'est pareil, celui-là, je pense que ça sera aussi avec le petit capteur d'inclinaison pour pouvoir le mettre sur à l'envers éteint et à l'endroit après allumé. Donc je sais pas encore, Pascal, c'est lequel que tu préféreras. Si tu préfères celui-là ou avec écrit Twitch. Je sais pas. Voilà, donc ça c'est des autres projets. C'est vrai qu'en ce moment, l'imprimante 3D, depuis que j'ai réglé, je l'ai passé en. Donc c'est une CR10, CR10S Pro, la V1. Depuis que je l'ai passé en Bell Touch avec le plateau en verre, c'est juste du pur bonheur d'avoir un truc en tête, de l'imprimer. Et en plus, c'est la première fois que je fais comment dire, avec des fermetures. J'en avais jamais fait avant. Et je me dis toujours, de toute façon, ça marchera pas et tout. Et au final, bah, ça rend super bien. Donc voilà, je suis assez content de ça. Voilà. Les deux petits logos, donc pareil que je vais mettre donc sur les côtés. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est sympa, si c'est kitsch, si c'est merdique. Voilà, donc ça, hop, c'est un des projets. Alors on a dit que pour cela, du coup j'ai pas noté les deux versions. L'impression 3D avec le logo, je l'ai. Les boutons on-off, je les ai. La bande LED 3D, donc la bande LED 3D. La bande LED en 12 volts, celle-là, je l'ai aussi. La batterie sur celui-là, ça ne sera pas la peine. Et voilà. Ah, alors, pour ceux qui viennent d'arriver. Eh oui, ma copine Eliox. Jean-Mi, regarde, parce que du coup, je t'ai pas montré. J'ai rajouté, donc du coup, tu as vu, il y a le fond vert. Ce qui fait que j'ai les bras coupés. Il a fallu que je retaille la caméra pour pouvoir. Comment ça s'appelle? Pour pouvoir avoir le. Je vais y arriver. Pour pouvoir avoir en fait une image entière. Oh, pardon. Ah, donc là, j'ai mis. Juste une image comme ça, parce que j'ai mis une image plus sombre, mais du coup, vu qu'en général j'ai un pull noir et tout, on voyait pas grand-chose. Il y a ça, il y a la caméra spéciale pour Cosmo, que j'ai rajouté aussi. Il y a la caméra pour le téléphone. Bon, là, le téléphone, il est éteint, donc du coup, c'est normal. Mais du coup, voilà, tu vois, si par exemple, on se fait des lives sur Gazland, tu vois, et que on veut montrer un truc, ben voilà, on pourra se déplacer avec le téléphone et je pourrais le faire avec le mien, comme toi, tu pourras le faire aussi avec le tien. C'est juste une application à installer, du coup, dessus, et on peut switcher après d'un téléphone à l'autre. Et il y a la caméra comme ça. Enfin, la caméra. La scène comme ça avec les donc avec les pour les vidéos. Absolument, comme Nathan Gueule on joue au moment où il joue pour faire des pour voir comme ça. Donc voilà, ça peut être sympa aussi à faire. T'as jamais aussi. Est-ce que tu peux me dire si le son si c'est trop fort ou pas? Je vais bouge pas. C'est sur groupe télé. Voilà, je lance une vidéo, je sais pas si le son il est trop fort par rapport à au micro. Précipitez-nous les boglings! On cherche une maison pas tranquille pour y vivre en famille! Le son est trop fort? Zut. Zut, zut, zut. Y a pas de souci. Bon bah du coup faudra que je vois pour baisser le son alors.
Là, ouais, faut que je bouge un petit peu le son pour ça, mais voilà. Bon, bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour des projets comme ça, que là, qui a donc la cartouche de Game Boy porte-clés, que j'ai pas encore reçue. Il me manque la cartouche et et les résistances. La Game Boy sur socle. Qu'est-ce qui manque sur la Game Boy sur socle? On a dit, il me manque les LED, les impressions 3D. Et après, ça sera bon. Et logo Twitch, il me manque, on a dit la batterie si je le fais sur batterie. Et voilà. Donc ça c'est ça fait partie du coup des petits projets comme ça. Sachant que du coup, vu que ça marche maintenant avec avec le téléphone, plus tard je vais pouvoir carrément donc bosser sur sur les bornes derrière. Et poser le téléphone sur sur le trépied pour pouvoir filmer. Au moins ça sera sympa aussi de faire autre chose que du petit bricolage juste ici. Mais que j'en ferai quand même du petit bricolage. Je suis deg du coup de pas avoir tout pour le faire. Je le ferai la semaine prochaine. Je le ferai la semaine prochaine, ouais. Et d'ailleurs, il faut aussi que je commande, je vois, pour finir les pads d'arcade. Et au moins ça aussi, dès que je les ai, ce qu'il me faut pour les pads, ça fera un projet de fini qui sera prêt pour pour les salons. Et il y aura encore autre chose à côté, mais ça c'est pareil, ça c'est pour prévoir après les salons plus tard, on sait jamais si on arrive du coup à reprendre. Donc comme j'ai dit, c'est pour pour les Boglins, pour refaire carrément les boîtes, mais au lieu de les faire en carton, les faire par exemple avec du contreplaqué. Avec du petit contreplaqué de 5 mm, mais un petit peu dans le même cire. Je négocie en parallèle pour me faire un flaming sur le 4-4. Du coup, je suis à moitié là. Ah, ça peut être joli, du coup, sur le flaming sur sur le 4-4. Ouais, donc voilà, on a un petit peu fait le tour des projets en plus de de ceux qui sont déjà là, mais que je fais au fur et à mesure parce que bon, ça me coûte un petit peu quand même à chaque fois de acheter ci à droite à gauche. Sachant que là, il y a autre chose aussi que j'ai commandé. Je vais l'avoir normalement, j'espère pour jeudi. C'est une lumière pour en face, une lumière blanche pour avoir une lumière pour éviter d'avoir en fait la tête rouge. Là, ben voilà, j'ai la tête rouge, les mains blanches et selon la caméra, j'ai les mains rouges. Donc j'espère que qu'avec l'autre lumière, ça sera pratique. Oh, pardon. Ouais. Après, demain, je bosse jusqu'à 6 h. Mais si, admettons, si tu bouges, si tu veux me laisser tout dans la boîte aux lettres, parce que les tiges, il y a juste un moment où elle ne sera pas là dans la journée pour aller au doc. Mais sinon. Elle est là après toute la journée. Mais sinon, dans la boîte aux lettres, ça passe. Faudrait d'ailleurs que tu me dises, ou MP ou quoi, combien ça fait, que je te file les sous d'ailleurs. Parce que j'ai eu Mathieu, qui m'a demandé si ça marchait. Je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de la tester. Je m'étais fait d'ailleurs le plan pour les branchements. Je me dis, tant en temps, j'essaie de le faire quand même ce soir, le branchement pour voir la lumière. Et je sais pas où je l'ai mis. Non, je peux vraiment rien faire je peux vraiment rien faire ce soir. J'ai pas le. Faudrait que je trouve un petit chargeur 12 volts. Oh, décidément, fou, papy s'endort. Et ouais. En click and collect. Chut. Tiens, d'ailleurs, Jean-Mi, à l'atelier du pilote, il fait les bombes de peinture? Parce que je sais que par exemple à Jouer Club, du coup, il le faisait pour pour le modélisme. Enfin, c'est vrai que à la limite, si je peux le faire travailler lui juste à côté, je préfère. Mais je ne sais pas s'il les fait, les bombes de peinture. Ou je peux envoyer un message à Mathieu aussi. Pour voir s'il les fait.
Ouais, je l'enverrai un message tout à l'heure pour savoir s'il fait les bombes de peinture. Avec le logo du coup de Twitch, voir si jamais il est fait, s'il a une couleur équivalente. Et puis je verrai dans ce cas-là pour la chercher vendredi peut-être. Donc voilà, je crois on a à peu près fait le tour. Ouais, je suis un petit peu deg du coup du stream deck que j'avais fait. Parce que je me suis embêté, j'ai fait 8 boutons, je me dis, ah, de toute façon, les 8 boutons, je les boufferai jamais. Et au final, en fait, sans compter les scènes spéciales, j'ai la caméra principale, la caméra bricolage, la caméra 3D, la caméra Cosmo, la caméra téléphone, la scène télé. Déjà, juste ça, j'ai déjà 6 scènes. À ça, je rajoute du coup l'intro. Et la fin, à la limite, parce que la pause, je la mets jamais. Et ça y est, j'ai mes 8 boutons déjà de prix. Mais il faut que je change la couleur. Parce que du coup, j'ai dit que je m'étais fait une spéciale pour les webcams et une pour les autres. Bon, j'en ai l'écriture juste et je le refais. Non, c'est dommage. Enfin, je refasse du coup les raccourcis aussi. C'est quand j'ai un peu roulé avec la ranchero ce soir. J'aurais pu te pousser de ma sauce. Oh, c'est pas grave, je te dis, après c'est pas urgent la minute. Hein. Je comptais un petit peu préparer, mais en fait ce week-end, faut que je refasse le câblage propre et que j'arrange un petit peu le bureau. Parce que du coup, c'est un peu le. Je sais pas que c'est un peu le bordel, mais presque quoi. Donc bon. Un Cosmo. C'est le bordel ou c'est pas le bordel sur le bureau de papa? Ouais, c'est le bordel, hein. Ouais. Ouais. Ah non, si, parce que là, c'est. Déjà, juste ce soir, pour arriver à brancher la caméra de Cosmo, j'ai galéré parce que j'ai bordel de câble derrière. Faut que je refasse tout. Donc voilà. Bon, moi, sur ce, je pense que ça va être tout pour ce soir parce que voilà, c'était juste pour présenter les petits projets d'impression 3D avec du coup le thème de jeudi soir sur les Boglins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais en costume ou pas jeudi soir? Peut-être. Mais si. J'aurais bien proposé à Joe s'il en voulait un. Mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'il veuille. Parce que du coup, dans ces vidéos, tu vois, derrière, il n'a pas une étagère, tu sais, où il pourrait le poser. Bon, tu vas me dire, moi non plus, j'ai pas d'étagère derrière. Même si là, tu vois, là, il y a des bornes, je pourrais me poser dessus. Eh, j'hésite, ouais. Ouais. Le costume de Marty, la perruque, spécial années 90 sur les Boglins. Mais j'ai pas fini de. J'ai commencé à imprimer du coup tout le blablabla. Il y a des trucs que j'ai pas encore appris, je vais pas dire par cœur. Des trucs que j'ai pas encore appris. Et il faut encore qu'il y ait des trucs qu'il faut que je rajoute, des trucs qu'il faut que je supprime. Et la vidéo des pubs, là, en fait j'en ai déjà deux de prêtes, mais j'ai vu qu'il y a une vidéo, c'est un condensé. Alors c'est pas les françaises, mais c'est un condensé de plein de pubs sur les Boglins. Qu'il faut que je récupère. Enfin, que j'ai récupéré, mais qu'il faut que je coupe. Et tout, donc j'ai encore. Oh là là, ici, les mains. Oh. J'ai encore du boulot à faire dessus. Ça, et j'aimerais aussi, donc, pour streamer, donc ça c'est pour jeudi soir. Et j'aimerais aussi le faire ce week-end ou samedi ou dimanche. Voilà, pour faire un autre créneau que. Le soir en semaine à 21h30. Je sais pas encore quand.
Ça me plairait, ce serait un dimanche matin. Ça me plairait un dimanche matin. Pas forcément de très bonne heure, mais de bonne heure avant que les petits soient réveillés. Je sais pas encore sur quoi aussi. Oula, alors soit la vidéo rame, soit ça a planté. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien qui bouge. Ouais. Pourquoi il n'y a plus rien qui bouge? Oh là. Ça y est, ça se débloque. Oui, non. Oh là là. Je crois que le PC là, il. Ah, ça y est, c'est débloqué. Pfiou, purée. Le PC, il en chie. C'est pas trop son truc, je pense. Plus un chagrin, vraiment 3D. Ouais. Ah, mais si, ça, je me doute que c'est pas son. C'est pas son truc, hein, peut-être que du coup, si j'arrive à en faire un potable, je le proposerai. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça fait. Mais en fait, non, c'est pas la connexion. Là, pour le coup, c'est le PC. Ça fait deux fois depuis tout à l'heure qu'il fige un peu. Je sais pas si c'est que le PC il chauffe un peu derrière ou quoi. Pourtant, j'ai pas mis la plaque derrière. Il est pas contre le mur, je sais pas. Déjà tout à l'heure, sur le réglage des fonds et tout, il en pouvait plus. Donc, et j'ai formaté il y a pas longtemps. Bon, de toute façon, je pense que je vais pas tarder pour ce soir. C'est voilà, c'était pour présenter un petit peu ça, les nouvelles scènes, le fond vert, tout ça, tout ça. Sur ce, Cosmo. Cosmo? Tu dis au revoir? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas aller au lit? Ah. Bon allez. Tu dis au revoir? Allez, sur ce, une bonne soirée. Et à jeudi, donc pareil, 21h, 21h30 pour la soirée spéciale Boglins. Bon, ça va pas durer des plombes et des plombes, mais c'est voilà, histoire de parler un petit peu jouer des années 90, un peu l'histoire, en présenter quelques-uns, et voilà. Ça sera quelque chose que quand on pourra reprendre les salons. Quelque chose qui sera après visible sur les salons dans des petites vitrines. Pour ça qu'en fait, je vais refaire les boîtes, les trucs comme ça. Et faire après, pareil, les petites vitrines en plexi. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour les faire. Des petites vitrines qu'on mettra après sur les tables pour pouvoir présenter les jouets. Et tant on tournera, un coup, ça sera les Boglins, un coup, les Rock Lords, Draculito, les Tortues Ninja, les trucs comme ça. Voilà. Sur ce, une bonne soirée et à jeudi 21h, 21h30, je pense, pour la soirée. Au revoir!